Ina Shukova, la Bélarusse, pardon. Qui a décroché tout à l'heure une médaille au ballon. La médaille de bronze. Début et fin original. Ina Shukova, la Bélarusse. On va revoir quelques passages au ralenti du mouvement d'Ina Shukova. Pendant qu'on regarde. Ces ralentis, Laurent, on peut faire un petit point sur la gymnastique rythmique française qui est quand même dans le creux de la vague depuis quelques années, depuis le départ à la retraite d'Eva Serrano. Eva Serrano, oui, il y a eu des difficultés sur, sur la nouvelle génération de gymnastes qui se préparent aujourd'hui. Là. Déjà, les Français étaient absents des Jeux Olympiques, enfin les Françaises, en voilà, gymnastique rythmique, les derniers JO à Athènes. Et aussi beaucoup, malheureusement, de blessures. C'est des jeunes gymnastes comme Aurélie Lacour n'ont pu participer aux dernières compétitions. Alors Aurélie Lacour qui fera partie de l'équipe de France quand même pour les championnats du monde de Bakou là, cette semaine. Voilà, donc là, en compagnie de, bon, on va les citer hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion de citer les gymnastes françaises. Il y aura Aurélie Lacour, Delphine Ledoux, Nathalie Fauquette et puis aux ensembles Stéphanie Arnoux, Perrine David, Laura Gatignol, Clara Huet et Aurélia Le Gallo. Et à toutes ces jeunes femmes, on leur souhaite bien entendu beaucoup de succès. C'était une nouvelle génération de gymnastes françaises pour la gymnastique rythmique. 16 626.